Salut à tous les gamers, c'est Coach DX. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de ma partie sur FIFA 15, ma carrière dans la peau d'un joueur pro. Avec moi-même, évidemment, Coach DX au poste de milieu gauche au Girondin de Bordeaux. Et également, si vous avez vu l'épisode précédent, le milieu gauche de la sélection américaine après un gros match qui m'a. Comme ça, une but, une passe D en équipe nationale face au Mexique. Je suis de retour ici à Bordeaux pour ce petit match face au Lille Olympique Sporting Club. Un match qui s'annonce plaisant. J'espère qu'on va continuer notre bonne forme en championnat. Je sais pas si on va avoir le ouais, non, j'appuie sur quoi, on verra pas le classement. Voilà, le classement, je le mettrai dès que la vidéo est en ligne, je le mettrai sur la page Facebook de Coach DX. Ça vous verra un peu mon évolution au classement. Si on est toujours en course pour les places européennes ou pas. Allez, c'est parti pour ce match. Coup d'envoi donné par Greg Sertic. Et c'est parti dans la foulée. Allez, on espère une grosse victoire des Girondins. Face au Ch'ti. Ch'ti Bilut. Hop, on déconne le ballon de suite. On va essayer de centrer là-bas. Kistelin, la tête de Téline, la transversale. La reprise derrière peut-être. Non, c'est dégagé. Par Marvin Martin. Et bien voilà, un match qui commence plutôt pas mal hein, avec une transversale de Kistelin. Allez, la tête de moi pour Greg. Gardier Gourland qui essaie d'alerter Téline là-bas côté long, en train de surface tout simplement. Il faut que j'essaie de rester sur mon côté gauche là-bas, je vais pas venir côté droit, c'est un peu embêtant. On commence à faire les choux gras de la presse française, hein, France Foot, l'équipe, tout ça. Allez, on y voit. Divock côté gauche avec Origi. Divock. Mais Mariano est là. Il paye au grain. Petit compte, certes, qui remet bien. Diego Rolan. Donc ça commence à se passer là-bas. Ça attaque Gironine. Frappe de moi-même, oh là là, j'ai fait un danger totalement, la frappe est partie. Je ne sais pas où, sûrement elle a atterri sur le pire hélico de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Même pas de ralenti, hein. J'ai vraiment grand danger cette action. C'est dommage, j'arrive bien lancé. J'ai appuyé un petit peu trop sur rond. C'est pas grave. Enfin, pour ceux, des fois je suis en ligne, qui veulent tenter un peu de jouer en ligne contre moi, je vous donne mon PSN, c'est un Maldini Best, comme joueur de foot, hein, voilà. Qui est un peu mon idole, hein, on va dire. Je le mettrai également dans la description pour ceux qui n'auront pas reculé d'ici la fin de la vidéo. Je suis rarement en ligne, hein, mais bon, de temps en temps je joue et voilà. Pas facile, ça peut être toujours sympathique. Allez, on revient à ce match. 20 minutes de jeu. Original. Pierre Origi. J'en attends de la place. Qui va reprendre le ballon. Allez, Sertic récupère Mariano, met le ballon en corner. Il ne peut empêcher le ballon de sortir. Ou en sortie de but, pardon. Ah non, encore rien, c'est ce qui me semblait. Allez, occasion pour les dogs à la 22e minute. C'est Marvin Martin qui va tirer ce corner. Marvin Martin. C'est dégagé, cafouillage, ça ne réfléchit pas. Il dégage. Allez, on retransmet à Roland, c'est intercepté par de la place, mais il récupère la balle et je fais. Putain, je fais n'importe quoi. Il a capé la bonne décision. Il fallait sortir, c'est bien. C'est vraiment de la merde avec match pour l'instant. Allez, Pierre redégage vers Suarez. Je perds le ballon avant qu'elle sorte. Non, qu'elle sort. Il n'y a pas manqué grand chose. Un peu de points d'accélération, je pense. Grâce au pressing, je fais faute. Prochain match. Eh bien, vous voyez, voilà. Prochain rendez-vous demain. Peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps de faire une deuxième vidéo, parce que j'ai pas pu en faire une vidéo hier. Déplacement à Metz. Dernier match contre Metz, il me semble, c'était en Coupe de la Ligue, on s'était imposé 3-0, assez tranquille. Espérons que la défense qui se déroule dans la même physionomie. Mais pour l'instant, c'est Lille qui nous donne un petit peu de fil à retard. Hein. 30 minutes de jeu, il y a eu une seule vraie occasion. Qui était Lille à transversale dès le début du match. Il n'y a plus rien depuis. Allez, je récupère le ballon. Emporté par la foule. Je vous propose de revoir cette occasion. Alors on va revoir sûrement la tête de Kistelin. Sur ce centre de moi-même. Petite tête complètement décroisée. Ah, c'est dommage. Hein. Inyama était complètement battu. C'est pas grave, il reste encore du temps. 33 minutes de jeu ici à Chabon de Masse. Nolan Roux. Allez, Nolan Roux. Sertic, une grosse partie de Sertic.
il transmet le ballon. Facile. Vous en pensez quoi, Franck? Qui me la redonne. Je suis un peu de cet avis. Qui pouvait aller. Faute et coup franc bien placé. Ah, faute. Pierre qui a fait faute sur moi. Qui tient le coup franc? C'était pour la tête de Sané et la parade de Niyama sans aucun problème finalement. La mi-temps commence à approcher. Enfin, on n'a pas eu de réelle grosse occasion. Un peu dans cette barre transversale, mais voilà, c'est sur un centre. Il pas trop été construit. On transmet la balle vers De Grolan qui peut centrer pour Kizetelin. Niyama qui dégage. En catastrophe en touche. Allez, nouvelle situation dangereuse pour nous. Mariano. Il y a Diego Roland. Il n'est pas gâché sur le ballon. Il a du soutien. C'est pas, on peut frapper. Enfin, juste à côté, la frappe de Col DX. Ah là 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 là. Bon, le ralenti, frappe du droit. Ah, juste à côté, c'est embêtant. C'est pas grave, c'est pas grave. Les moyens, on voit la défense hein, qui peut être très revers. On continue, ça va finir par passer, c'est évident. Cabouna, Palois, une des dernières offensives bordelaises. C'est vrai qu'on monte aux avant-postes. Voilà, super, je pense que c'est un peu plus de jeu. C'est un peu trop avancé par rapport à la ligne défensive lilloise. Je pense que ça va s'arrêter là. La mi-temps va être sifflée avec ce 0-0. À moins que une toute dernière cartouche. Cabouni, Gardi Gourolin. Je demande le ballon. Y a personne qui monte, les gars. On va essayer de centrer quand même. Pour Kisteline, la tête de Téline est juste au-dessus. Et voilà, c'est la mi-temps ici 0-0. Les occasions se sont multipliées en cette fin de période. Il faut qu'on revienne avec le même esprit conquérant. Alors, il serait intéressant d'écouter ce que vont dire les entraîneurs dans le vestiaire. Allez. Ah, petit remplacement côté lillois. Avec la sortie de Origi peut-être. Ouais, c'est Diego Origi qui cède sa place à Berg. Allez, tout peut arriver encore. Et c'est parti, Lillois qui tourne le coup d'envoi de cette seconde période. Soirée. On espère marquer ce petit but là qui va. Je suis sûr qu'il va nous débloquer ce match. Hein. C'est évident. Dès qu'on va mettre ce but, ça va nous emballer et on va en mettre un ou deux plus je pense. On s'approche du but. Passe qui arrive à marquer à la botte au moment où j'allais passer le ballon pour Téline. Sané. Allez, rodé un peu le ballon. Le pressing de Mariano. Qui obtient la faute. Des Lillois. Ça fait 2-3 fautes. Hein, des Lillois déjà. Attention. Nouveau changement côté Lillois. Avec la sortie de Jonathan de la place. Et la rentrée d'Idriss Agueil. Alors je vais un peu l'avoir enroué. Je pense que je vais pas tarder à être malade. 53e minute de jeu. Kisteline qui garde le ballon. Il attend du soutien. J'arrive, mais c'est trop tard. C'est repris par les Lillois. Ghana pour lancer le match. Il va jouer à la lutte. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Allez, on va avoir un changement côté bordelais. Mabouba, la balle. C'est un natif hein, de la région. Joueur formé au club. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là, Beria? Beria il s'enflamme un peu. On va y aller, on y va, on prend le ballon. Ah, Dalmeida qui lui perd dans la foulée, Nolan Roux. C'est dégagé par Lamine Sané. Hop, vers moi-même. Allez, on arrive à éliminer notre défenseur. Le Cordelais en pleine phase offensive. On élimine Kier. On va temporiser un petit peu. C'est centré pour la tête, la transversale, une nouvelle fois de Certic. Et Stéline qui ne peut pas reprendre la balle. C'est Rosenal qui dégage. Deuxième transversale sur un centre de coach DX. C'est emmerdant tout ça. Il y a deux transversales. 65e minute de jeu. Est-ce qu'on va réussir à trouver la faille? Bon, du coup, moi, d'accord. Sans bon faire sentir. 8.9. Ah là là, on a essayé de faire le petit gribille. Ça n'a pas passé. Ah, on fait faute sur Rio. Changement côté bordelais avec la sortie de Kabouni et l'entrée de Brian Ruiz. Voilà, on a mis un petit plus de qualité dans le milieu de terrain bordelais.
Cardoni n'est pas encore au niveau pour être titulaire. L'équipe à domicile, mais il commence à grimper des petites minutes, de plus en plus. Faute de tir sur Momen. Nouveau remplacement côté bordelais. Maurice Bellet qui remplace Diego Rolin. On met de la percussion maintenant. Allez, c'est je vais faire lui qui met les stats. Ouais, une stat qui va contenter tout le monde. Très équilibré. Pierre Dalmeida. Mariano qui transmet la balle. Est-ce que je peux tenter quelque chose et on va transmettre là-bas. La frappe de Mariano elle est contrée et Niyama qui dégage. C'est dégagé en touche. On va aller, il reste un quart d'heure à jouer. Nouveau changement. Encore une fois côté bordelais avec sa rentrée. Le retour. Le grand retour de Cheick Diabaté après sa blessure. Et là, il va nous faire du bien. Celui-là. Sortie de Sissi Dalmeida. Christeline pour moi-même. Ah, repli Martin, énorme tacle sur moi. Oh là 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 là. Il dégage en touche. Allez, a touché pour moi. On met en arrière. Tout le monde sur place comme il faut. Vers la ligne Sané. Maxime Pungé. Pungé. Pour moi-même, une nouvelle fois. Ah, putain, Marvin Martin, encore une fois, qui me contre. Pas vrai. Allez, il reste 11-12 minutes à jouer. Maxime Pungé. On va aller vers Max Pungé. On a transmis. On va essayer de centrer là-bas. C'est Diabaté la tête. Le cafouillage. C'était impossible. Et c'est un corner. Un corner avec ce cafouillage. C'est soirée. C'est une balle en corner. Remplacement côté du Loire. Rennes et Lunès. On tape des seins de roue. Qui n'a pas été bon. Qui n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Allez, peut-être la tête. Non, c'est contré une nouvelle fois. C'est repris. Allez, on va récupérer le ballon. On va calmer tout ça. Super, toujours 0-0 dans ce match qui va bientôt se terminer. Subtilise de ballon. La suite du programme pour cette équipe. Je crois que Lille doit affronter le PSG ensuite. Et jouer un match sérieux. Le score me semble logique. Brian Ruiz, on essaie de construire pour cette année des toutes dernières offensives bordelaises. Mariano. Mariano qui va être une pression par là. Boris Ballon. On transmet à Cheick Diabaté. Diabaté qui temporise un peu trop, il transmet la balle, non, il frappe finalement, il y en a. Sans problème pour lui cette frappe. Allez, allez, c'est pas fini. Il en reste encore une ou deux petites cartouches. Il manque plein de ballons comme là. Il faut récupérer absolument ce ballon. Pas qu'on fasse 0-0 dans ce match. Hein. Putain, c'est frustrant hein, parce que. Un peu comme dans la vraie vie d'ailleurs les Bordelais, hein, c'est qu'on mérite de gagner, on a les occasions, mais. Et si on les met pas au fond, ben voilà. Voilà ce qui peut arriver. Par le ballon. Ballon sur Ruiz, et c'est terminé. Voilà, match frustrant 0-0 entre Bordeaux et Lille. Malgré une prestation pas si mauvaise que ça, finalement, on notera les deux transversales. Également, évidemment, le retour de Cheick Diabaté qui devrait bientôt revenir titulaire au sein de l'attaque bordelaise. Au niveau de ma note, 9.2, bon, l'homme du match, hein, évidemment. 4 passes clés, 2 dribbles décisifs. J'ai subi une faute, j'ai fait 2 fautes. J'ai tiré 2 fois, on a vu, hein, les 2 frappes n'étaient pas cadrées du tout. Voilà, pour cet épisode numéro 18, on se retrouve dans la journée ou dès demain pour l'épisode 19 avec ce déplacement à Metz. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, m'ajouter sur le PSN, je vous rappelle, c'est Maldini Best si vous voulez qu'on fasse des parties sur FIFA, ou peut-être dans d'autres jeux, hein. J'ai pas mal de jeux, j'ai acheté Assassin's Creed Unity d'ailleurs hier. Donc voilà, allez, je vous dis à tous, bonne fin de journée, ciao.